Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors je vais vous dire tout de suite ce qui vient. Ce qui vient c'est que vous allez être libéré des ténèbres, c'est-à-dire une situation très difficile, très compliquée pour vous. Vous allez être libéré 3 de feu, quelque chose qui dure très très longtemps, depuis très longtemps on me dit. Vous allez être libéré par une proposition qui va toucher votre cœur, qui va vous réjouir. As de coupe, 3 de coupe. Il y a cette idée d'une proposition que vous ne voyez pas arriver parce que vous avez la lune en plus. Cette proposition pour vous sera synonyme vraiment d'un équilibre. Waouh ! Tempérance-soleil, je viens de comprendre ici que vous avez la tempérance et le soleil. Ces deux cartes nous parlent d'une magnifique et belle opportunité magnétique. Voilà, c'est une opportunité magnétique de restauration, de réparation. C'est une belle opportunité aussi de déploiement. Vous avez le chevalier de feu, ça va très très vite, et vous avez ici la papesse. Il y a quelque chose qui en vous est déjà prêt. Il y a quelque chose en vous qui est déjà vraiment dans les starting blocks. Et ça va envahir votre cœur, ça va envahir votre âme. Et ça va attirer, parce que ce côté magnétique a cette idée, ça va attirer une situation, ça va attirer des situations, on me dit, où vous allez tout simplement sortir des ténèbres. Vous allez sortir d'une situation complexe, vous avez 7 de coupe, d'une certaine confusion qui dure depuis longtemps, cette confusion. C'est une confusion qui pour vous est aussi synonyme de souffrance. Mais de souffrance inexplicable, parce que j'ai cette idée de souffrance inexplicable que vous ne pouvez pas expliquer, que vous ne pouvez pas, comment vous dire, mettre des mots. Voilà, vous n'arrivez pas à mettre des mots sur cette souffrance, pourtant elle est présente. Elle est en vous, en lassant. 6 de terre, oui, elle est présente. Et là, il y a cette notion d'extériorisation. Je vais extérioriser quelque chose qui me permettra, et cette épée qui me permettra de m'exprimer, qui me permettra de dire, qui me permettra de raconter, qui me permettra d'être dans un échange un peu plus approfondi, dans un échange où je peux enfin libérer une émotion, un sentiment. Avec la tempérance, vous avez le 9 de bâton. Je crois ici que vous êtes protégé. Protégé par cet magnétisme qui est en vous, qui est autour de vous. Et ici, la papesse nous parle de votre âme, de votre âme qui ouvre un parachute. Waouh, ok. À votre âme qui ouvre vraiment cette protection, comme si vous aviez un parapluie, un parasol qui vous protège des ondes, des mauvaises ondes. Je ne sais pas pourquoi ça me parle beaucoup de magnétisme, d'ondes, ça me parle beaucoup d'attirance aussi, parce qu'il y a une profonde attirance qui ici n'est que justice. C'est une attirance irrésistible, c'est une attirance à laquelle vous ne pouvez pas résister et vous ne pourrez pas résister. Pour quelle raison? L'ermite, parce que ça fait partie vraiment d'une connexion d'âme. C'est une, comment vous dire cela, une connexion qui est impossible à briser. C'est une connexion que vous ne pouvez pas détruire, as d'épée. Peu importe comment votre mental essaye, peu importe ce que votre mental tente de faire, parce que je vous sens ici dans des tentatives vaines de couper quelque chose, de vous débarrasser de quelque chose, mais ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas vous débarrasser de cette situation parce que tout simplement, elle fait partie de votre ADN, elle fait partie de vous. Et là, il y a quelque chose qui va vous envahir. Il y a une émotion, une envie, un désir qui va vous envahir et qui va vous projeter dans cette âme, dans cette connaissance de l'âme et qui va vous aider à purifier et manifester quelque chose qui, à l'extérieur, va attirer des ondes et des belles énergies. Le valet d'épée. Vous allez pouvoir exprimer quelque chose qui, pour l'instant, est difficile à comprendre, difficile à saisir et surtout, c'est difficile de trouver des mots. Il y a quelque chose en vous, reine de terre, la reine de denier ici, qui va être réparée, qui va être restaurée. Et c'est cette restauration qui vous permettra d'être vous-même. C'est cette réparation qui vous conduira à une connaissance, ok merci, à une connaissance qui, reine de denier. Et bien on vient de terminer avec la reine de denier, on commence avec la reine de denier. Il y a cette attente, cette espérance, même une... Alors ça, c'est bizarre de dire ça, c'est une espérance désespérante. Peut-être que vous désespérez de vous-même d'espérer à ce point-là quelque chose.
la reine d'épée. Parce que ça, c'est votre mental. Votre mental qui vous dit, mais il ne faut pas croire, il ne faut pas continuer à espérer, il ne faut pas continuer à... Et il y a cette idée d'interrogation et surtout ce côté d'être dans la culpabilité par rapport à ses propres ressentis. Comme si on ne voulait pas ressentir quelque chose, comme si on ne voulait s'être de Denis, comme si on ne voulait pas voir quelque chose, comme si on avait le désir d'ignorer, d'enterrer quelque chose, de cacher quelque chose, comme si on avait envie ici de complètement passer à côté d'une opportunité, parce que c'est pas que ça nous intéresse pas, c'est on n'a pas envie. Parce qu'on sent là que vous avez cette idée de devoir vous projeter dans quelque chose où vous n'êtes pas tout à fait vous-même. Deux de coupe. Et pourtant, c'est plus fort que vous. On sent qu'il y a quelque chose de magnétique là. C'est une relation magnétique. C'est un lien magnétique auquel vous ne pouvez pas résister. Quoi que fasse votre mental, quoi que essaye de faire votre mental, c'est inutile. Parce que ce 5 d'épée nous dit, vous perdez votre énergie et votre temps. Vous perdez cette énergie. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus... lointain, quand je dis lointain dans le sens, c'est pas ici et maintenant, c'est pas terrestre, c'est pas terrien, c'est quelque chose qui vous dépasse. As de Denis. Il y a vraiment dans la matière quelque chose qui va être confirmé. Ça va se manifester à travers une émotion, ça va se manifester à travers une action qui va vous conduire à comprendre, à saisir quelque chose. 8 de bâton. Il y a beaucoup, beaucoup de synchronicité autour de vous et il y aura beaucoup de synchronicité. Même si vous tentez d'ignorer ces synchronicités, parce que je vous sens ici dans l'envie de ne pas y aller, dans l'envie de ne pas vouloir vous lancer, de ne pas saisir cette opportunité, mais je crois que vous n'aurez vraiment pas la possibilité ni les moyens de résister. Vous avez le roi d'épée là. Ce roi d'épée nous parle justement de la connaissance, nous parle d'une information, nous parle de prise de conscience qui allège, trois de coupe, qui allège quelque chose. Il y a cette idée d'allègement, mais surtout au plan mental, comme si le mental cède sur le poids du magnétisme de cette relation, de ce lien qui, je pense, est beaucoup plus fort que vous, beaucoup plus important que vous et votre propre résistance. 7 de bâton nous dit qu'il y a cette idée de résistance, une résistance qui ne sert à rien, une résistance dont il faut vraiment prendre conscience de ce côté vain, de ce côté vous faites ça pour rien, vous dépensez dans cette situation pour rien. Vous avez le roi de Denis, waouh, beaucoup de maturité, beaucoup de personnages, beaucoup de la reine de Denis, le roi de Denis, et on sent qu'il y a quelque chose là, ah, la reine d'épée, waouh, la reine des rois d'épée, reine d'épée. On sent que il y a une dualité qui veut à la fois aller dans ici et maintenant, et ce deux de coupe, mais non, là, vous ne pouvez pas résister, parce que je sens cette dualité en fait disparaître, comme si elle était dans la fusion, dans une fusion incroyablement puissante et forte, qui apaise, qui calme notamment le mental, qui apaise quelque chose à travers ce cœur qui s'ouvre enfin, ce cœur qui est dans les propositions. Alors, est-ce que cette proposition vient de vous, de quelqu'un? Je ne peux pas vous dire. Mais il y a cette idée de victoire, il y a cette idée de réussite, il y a cette idée de j'accepte enfin le changement. Et j'accepte cette, surtout ce qui est incroyable, j'accepte cette victoire. Pourquoi accepter la victoire? Que se passe-t-il avec cette victoire? Et bien justement, allons voir. Vous avez le 4 de bâton. Je pense que ça va beaucoup vous interroger sur vos propres désirs. Il y a quelque chose qui est plus que mûr, c'est prêt. C'est prêt, c'est prêt, 1000 fois prêt. Là, il y a le roi de Denis. C'est exactement le même que celui-là. Ce roi de Denis nous dit c'est prêt, c'est mûr, c'est mature. Il n'y a pas de tergiversation à avoir. Il n'y a pas de réflexion à avoir. Toute réflexion est vaine, est une perte de temps. Parce qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus puissant que ce que vous croyez aujourd'hui. As de bâton nous parle de la puissance. Puissance d'un désir, puissance d'une envie, puissance de quelque chose qui tout simplement débloque. Mais qui nécessite de votre part de lâcher prise sur le matériel. Vous avez presque besoin de perdre quelque chose.
cette idée, vous avez besoin de perdre quelque chose. Et cette perte, elle est plus que fondamentale et importante. Sans avoir perdu et sans avoir ce sentiment de perte, vous ne pouvez pas ressentir et éveiller ce désir. Comme si vous aviez besoin de perdre quelque chose pour mieux retrouver une situation, une personne, un projet, quelque chose d'encore plus grand et beaucoup plus intéressant. As d'épée. As d'épée nous parle de décision, de clarté. Vous voyez, vous avez deux fois le As, l'As ici, de clarté, de cette connaissance qui va radicalement changer les choses. Hein. Vous avez la tour là. La tour qui nous parle d'un changement mental qui tout simplement pour vous est bouleversant. Il y a encore cette idée, besoin de perdre quelque chose. Accepter la perte. Là, dans l'as de bâton, il y a cette idée presque vous détacher de quelque chose malgré vous. C'est un détachement malgré vous. Et vous avez ici, je viens de me rendre compte, il y a aussi ici l'as de denier. Donc trois fois l'as là. Il y a quelque chose vraiment qui va venir et qui va vous bouleverser, vous bousculer. Nous vous laissons aucune chance de réflexion. Chevalier de coupe, c'est le même qu'au dos deck de tout à l'heure. Voilà, chevalier de coupe, c'est le même. Qui vous demande, il y a cette idée de victoire, mais une victoire malgré soi, non voulue, non attendue, non espérée. Une victoire, je pense, qui provient d'un alignement qui va se faire en vous, qui va se faire autour de vous. Il y a quelque chose qui va s'apaiser, se calmer en vous. La tempérance. Ce qui va se calmer, c'est ce mental qui veut à tout prix contrôler quelque chose et qui va laisser enfin un désir, une envie surgir. Et c'est vraiment, c'est comme si il y avait ce jaillissement, comme si vous aviez trouvé de l'eau en fait souterraine et que d'un coup ça jaillit de tous côtés, comme quand on trouve du pétrole par exemple. Waouh. Vous avez le chevalier de bâton. Je pense que très vite, vous allez devoir changer votre façon. Mais c'est un bouleversement incroyable. Hein. C'est un bouleversement où vous sortez grandi, vous sortez plus puissant, vous sortez plus fort. Mais je crois qu'il y a quand même cette envie de ne pas suivre cette énergie. Et oui, il y a une transformation là que de toute façon, vous ne pouvez pas ne pas l'accepter parce qu'elle est beaucoup plus forte que votre volonté, que votre mental. Parce qu'on sent beaucoup de passion là. Une passion qui est vraiment très très forte et irrésistible. Parce qu'on sentait tout à l'heure dans le premier jeu ce côté un peu magnétique. Cette épée. Je pense qu'il y a un personnage là, une personne qui va vous dévoiler, révéler quelque chose. Qui va tout simplement vous aider à comprendre, à saisir. Et qui va vous conduire à cette idée de j'ai le droit, c'est mon droit, c'est mes droits, c'est à moi. Et je remplis ma vie avec ce qui m'appartient. Voilà ce qui vient et c'est ce qu'on retrouve dans ce tirage. Vous avez ensuite trois de bâtons. Beaucoup d'apaisement au plan mental. On sent que le mental est beaucoup plus à l'aise avec la situation. Pourquoi ? Parce qu'il y a une purification et une identification de votre puissance et de votre force dans la réalisation de quelque chose. La tempérance. Vous avez avec la tempérance 7 de denier. C'est vraiment le résultat à l'extérieur qui vous calme et qui vous apaise. 2 de denier. Oui, il y a une stabilité. Parce que comme si vous aviez obtenu quelque chose qui pour vous aujourd'hui vous paraît incroyablement impossible. L'impossible est possible. Waouh! Ça, c'est un message. Mon masculin sacré, à quel moment êtes-vous dans l'action juste ou en réaction? Pour répondre à cette question, prenez le temps de réfléchir à la manière dont vous créez le mouvement. Si c'est par peur, alors vous êtes dans une réaction de protection et de défense. En revanche, si votre action est menée par l'énergie de l'amour ou initiée par une envie profonde, et ça c'est l'envie profonde, c'est ça, cet as de bâton. En revanche, si votre action est menée par l'énergie de l'amour ou initiée par une envie profonde, alors votre action devient juste. Et dès lors,
vous incarnez cette énergie du masculin sacré. Et vous voyez, ici, avec l'as de bâton, vous avez cette idée de masculin, vous avez cette idée phallique de ce bâton qui nous parle du désir, qui nous parle d'un désir brûlant et qui nous parle notamment d'une envie explosive. Là, c'est un désir explosif. Hein. Vraiment, il y a cette idée d'attirance, il y a cette idée d'espérance, il y a cette idée d'envie, il y a cette idée que vous ne pouvez pas résister à cette situation. Avec l'archange Michael, il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Archange Michael, sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer maintenant ? Merci de m'aider à entendre vos réponses et de me donner le courage d'effectuer des changements sains dans ma vie. Et je pense que c'est tout le travail qui va se jouer là pour vous, chers amis. Merci, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.